La province de Rahna a enregistré 233 cas d'infection, dont 207 cas de rémission, soit un taux de guérison de 88%. Derrière cette performance, l'hôpital provincial avec ses salles de réanimation et ses espaces aménagés pour accueillir les cas suspects, une infrastructure qui incarne la coopération permanente entre la médecine militaire et civile. Écoutez les propos du colonel Abdelhamid Azrazin, professeur en immunologie. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées, l'inspection générale des forces armées royales, avec toutes ses composantes, en particulier l'inspection du service de santé, a déployé une équipe polyvalente composée de personnel médical et paramédical, appuyée par des éléments des services sociaux, de la sûreté et de la gendarmerie royale dans la province de Rahna, afin de renforcer le système de santé civile relevant de la délégation provinciale du ministère de la Santé. Il s'agit d'une mobilisation totale où les militaires opèrent conjointement avec leurs homologues civils, avec une présence notable des autorités locales qui ne cessent de leur apporter toute forme d'appui.